La Terre tremble au large de Fukushima, ravivant de terribles souvenirs. Le séisme d'une magnitude de 7,4 s'est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur dans la matinée. Il a entraîné un tsunami avec des vagues de plus d'un mètre de hauteur, non loin de la centrale nucléaire accidentée en mars 2011. Aucune information de dégâts majeurs n'a été rapportée dans l'immédiat, hormis un début d'incendie dans une raffinerie. Quelques blessés légers ont été recensés. Le trafic ferroviaire a été interrompu sur l'île de Honshu, la plus grande du Japon. Les autorités japonaises avaient tout de même ordonné l'évacuation d'une centaine de milliers de personnes pour éviter un nouveau drame comme celui qui avait fait plus de 18 000 morts il y a près de 6 ans.